Rebonsoir, merci beaucoup d'avoir assisté à ces deux séquences de débat sur les médias en lutte. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, ils seront distribués sur YouTube et vous pourrez les repartager autant que vous voudrez. D'abord, deux appels à passer avant d'enchaîner avec notre ami, dont je ne connais pas encore le prénom en fait. Camille. Donc, avant de passer avec Camille sur la tactique à Nuit Debout, nous allons parler de deux appels. Alors d'abord, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de Nuit Debout dans la banlieue. Je vais vous annoncer d'abord qu'à Cergy, vendredi 6 mai à 18h, il y aura Nuit Debout à la Place des Arts. À Noisy-le-Sec, le mercredi 4 mai, donc demain soir à 19h30, ça sera à la médiathèque. Marne-la-Vallée à Champs-sur-Marne, les mercredis à 18h, rendez-vous au RER. À Saint-Denis, mercredi 4 mai à 18h, Parvis de la Basilique. Il y aura aussi la diffusion d'un film sur les violences policières. Fontenay-sous-Bois, mercredi 4 à 19h30, sur le parvis de l'ancienne mairie. Les Lilas, le vendredi 6 mai à 19h, place de la mairie des Lilas. Et à Montreuil, vendredi 6 mai à 19h, place Jean Jaurès, au métro mairie de Montreuil. Et enfin, le Blanc-Ménil, tous les vendredis à 19h, sur la place Gabriel-Péry. Donc merci beaucoup. Il y a aussi les journalistes atterrés qui commencent à se monter. Donc ils passent un appel pour avoir des témoignages. Je ne peux pas vous lire toute la définition de ce témoignage. Je vous propose d'envoyer un mail à journalisteatterrés au pluriel @gmail.com. Donc journalisteatterrés au pluriel @gmail.com. Et comme ça, vous pourrez rentrer en contact avec ce nouveau collectif qui est en train de se créer, à côté de Média Debout qui existe aussi. Média Debout @gmail.com, j'imagine. Je pense que ça doit être Média avec un S et Debout, voilà, tout court. Donc je vous remercie. Maintenant, on va passer à la commission tactique qui se trouve aujourd'hui sur la place de la République. Donc Camille, c'est quoi la commission tactique? Ça veut dire que Nuit Debout va élaborer une tactique, c'est ça? Alors on part du principe qu'à la Nuit Debout, chacun est libre de ses initiatives personnelles. Oui. C'est le côté méritocratique et le côté expérimental aussi de la Nuit Debout. Par conséquent, si certaines personnes ont trouvé que l'idée d'organiser des stratégies, organiser une tactique de défense pour préserver la place et définir des objectifs prioritaires, comme l'occupation du lieu ou comme une volonté justement d'éviter les débordements sur la place ou éviter les problèmes qu'il y a eu avec les femmes qui étaient harcelées sur la place par des gens qui étaient déjà ivres. Mmh. Donc notre volonté à nous, c'est de commencer à définir des objectifs prioritaires, c'est-à-dire à être capable d'agencer des moyens pour réaliser un socle commun de buts pour pouvoir justement qu'on continue à l'aventure de la libération de la parole sur l'espace public. Mais alors, la tactique, c'est quelque chose qu'on emploie plutôt dans le champ sémantique de l'armée, dans le militaire en général. Clairement, mais au départ, c'est quand même quelque chose qui vient de l'armée, non? Alors, moi, j'ai pas peur des récupérations. Parce que si le camp adverse est toujours à l'affût des récupérations, des nouveaux mots, des nouvelles innovations qu'on peut proposer, nous, d'un côté alternatif, alors j'imagine que nous aussi, on peut leur faire quelques emprunts, quelques fois, pour pouvoir solidifier notre mouvement et même le faire grandir. D'accord. Quant au choix du mot tactique, il est plus basé sur les jeux de stratégie, parce que à la commission tactique, on est très, très amateur, en fait, du jeu de go, jeu d'échecs et des jeux de stratégie. D'accord. Dans le but de, justement, prendre assez au sérieux ce qu'on est en train de faire pour le considérer comme un jeu et donner une portée plus légère et plus ludique à ce qu'on est en train de faire pour libérer les énergies créatrices. Donc c'est entre donjons et dragons et philosophie politique votre truc alors? C'est exactement ça. D'accord. D'ailleurs ça c'est pas quelque chose qui est très nouveau. Pablo Iglesias a offert à... Alors Pablo Iglesias qui est donc le leader de Podemos. A offert, oui, Pablo Iglesias, le leader de Podemos, a offert un livre, a offert en fait l'ensemble des saisons de Game of Thrones au roi d'Espagne quand il s'est réuni avec lui. Il a écrit aussi un livre sur Game of Thrones qui explique tout ce qui a un lien avec la tactique et les stratégies politiques à l'intérieur. Je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur des mots, il ne faut pas qu'on ait peur aussi de ce dont on a besoin et de ce dont on a besoin absolument pour pouvoir préserver le mouvement en fait démocratique qu'on a fait émerger, et que pour ça, eh ben, il va bien falloir qu'un de ces jours, on réfléchisse aux moyens de défense, et aux moyens de défense pacifiques, parce que le gouvernement jusqu'à aujourd'hui a expérimenté des tactiques qui resserrent les boulons, qui nous harcèlent physiquement, moralement, et qui, d'un point de vue médiatique, tendent à en fait démobiliser l'opinion publique pour donner une mauvaise image de notre mouvement.
Mais est-ce que c'est pas plutôt une stratégie de communication? Est-ce que ce serait pas plutôt à la com de gérer ce genre de choses? C'est une stratégie de communication, mais pas seulement une stratégie de communication. C'est une stratégie de communication qui aurait besoin d'être centralisée pour pouvoir avoir une réponse adéquate au harcèlement médiatique qu'on peut subir dans le mouvement, à l'image qui n'est pas du tout contrôlée. Mais c'est un besoin aussi physique, parce que c'est pas seulement sur les réseaux sociaux ou c'est pas seulement d'un point de vue de l'image que ça se passe. Alors, excuse-moi, je t'ai amené un peu exprès sur ce sujet-là, un peu pour te piéger. Peut-être que j'ai fait preuve de tactique, justement. Oui. Parce que tu dis, il y a besoin de centraliser... une tactique. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que il faut ton idée c'est de centraliser dans une équipe qui serait un peu hermétique à toutes les opinions extérieures? Comment ça fonctionne? Parce que typiquement normalement là on est typiquement et tout est ouvert sur Alors deux choses. Ouais. La première c'est qu'on entre directement avec votre question dans l'espèce de dilemme binaire entre horizontalité ou verticalité. Voilà. Alors ça déjà, on va pouvoir en discuter parce que c'est un problème majeur et qui aurait besoin d'être rendu beaucoup plus subtil. Deuxièmement, vis-à-vis de la transparence, je trouve que c'est pas du tout un vrai argument étant donné que les informations qui circulent, la façon dont les commissions logistiques surtout gèrent les matériaux sont pas du tout assez transparents pour qu'on puisse justement avoir donné un socle de solutions communes et pouvoir les aider quand ils ont besoin. Il y a un certain nombre de commissions qui sont au bord du burn-out, mm-hmm. qui sont pas du tout relayées et au final on se retrouve dans une situation dans laquelle il y a une division du travail dans laquelle l'information ne passe pas. Parce qu'elle aurait besoin justement de donc se relayer d'informations. Donc toi tu dis qu'il n'y a pas assez de transparence. Non, je dis que c'est pas une question de transparence. Je dis que c'est une question d'investissement commun de l'activité sur la place. C'est pas une question de transparence, de visible ou d'invisible. C'est d'accord. une question de qui fait quoi et de qui va être prêt à faire l'activité nécessaire à faire qu'on préserve le lieu et surtout le pouvoir de la parole publique de ce lieu qui nous appartient et que pour une fois on décide d'investir. On va revenir à la première oui. à la première voilà, question. C'est ce que je voulais. Qui est la question la plus importante? Et qui est la question en fait, qui est toujours débattue ici, qui fait des nombreux débats, c'est la question de l'horizontalité, de la verticalité. Alors je crois qu'il faut quand même se rendre compte que l'horizontalité absolue, ça n'existe pas. Demander à des personnes de rester organisées d'un point de vue horizontal pour justement se préserver des mouvements totalitaires ou des mouvements organisés comme ceux du gouvernement et comme ceux qu'on critique, eh ben, cette demande-là, c'est une demande de projet. Et faire une demande de projet, c'est déjà s'instituer en tant qu'organisation qui ne veut pas un certain type d'organisation. D'accord. Et c'est déjà en fait rompre avec le fait d'horizontalité, de transparence et de liquidité absolue, puisqu'on est déjà en train de former, de fixer un objectif qui est celui de ne pas s'organiser. D'accord. Jusqu'ici, je crois que cet objectif était dans les esprits n'a même pas été atteint. Attends. Certes, cet objectif n'a pas été atteint. Mais parce que c'est même pas un objectif. Ça s'est pas fait comme ça, c'est pas quelqu'un qui est arrivé, qui a dit je vous propose à tous qu'on soit tous horizontaux. C'est juste une idée sur laquelle tout le monde s'est accordé. Dès le départ, c'était horizontal. Il n'y a pas eu un texte, un propos. Bon, peut-être l'ordon, peut-être a inspiré les esprits, mais globalement, il y avait cette envie. On est un peu tous au même niveau. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a eu déjà cette notion qui est venue D'en haut. C'est encore trop binaire, c'est encore trop j'ai d'accord. l'impression de trop gras. Parce que c'est vrai que au niveau de l'organisation, il y a une horizontalité qui est majoritaire. Mais il faut savoir aussi que les jeunesses du mouvement, c'est une organisation préétablie, bien définie, qui a permis d'organiser ce mouvement. Donc déjà dans la genèse, on n'est plus dans l'horizontalité, c'est pas un mouvement spontané. Mais c'est pas parce que la genèse. Je parle pas seulement de la genèse, c'est que déjà pour montrer le socle de l'origine. Ensuite sur place, ça s'est organisé de façon spontanée, de façon horizontale, mais il y a des gens qui avaient besoin aussi d'organisation. La commission Sérénité ne fonctionne pas du tout de façon horizontale, elle a besoin de fonctionner de façon hiérarchique avec une certaine organisation. C'est-à-dire qu'il y a un talkie-walkie qui se passe entre les commissions, il y a une information qui est centralisée. Mais encore une fois, là, on passe de l'horizontale à la verticalité, de l'horizontalité absolue, au débat de la verticalité absolue. La verticalité absolue, même ça n'existe pas. Et personne ici n'est prêt à vivre ça. C'est-à-dire qu'entre deux options, moi, je choisirais les nuances, ce qu'il y a entre tout ça. D'accord. Et la commission tactique, elle n'est pas du tout ici pour centraliser et avoir un donneur d'ordre. Non, on peut s'organiser de plusieurs façons différentes pour avoir une centralisation de l'information. Peut-être que le mot est maladroit, ouais. mais ce qu'il faudrait dire, c'est simplement essayer de donner un socle commun
de donner un certain nombre d'objectifs prioritaires et pas de les donner comme des ordres, mais comme de manière visible. Qu'on soit tous d'accord, qu'on puisse tous se mettre d'accord, qu'il existe un travail qui est fait pour donner un socle commun à l'activité qui est ici mise en place. Donc c'est l'essentiel de votre travail en fait déjà, c'est de mettre en forme une stratégie de sorte qu'elle respecte aussi les principes auxquels on aspire, qui sont en l'état encore de projet finalement, c'est ça ? Oui, c'est absolument ça. Et personne ici ne veut de ce que de toute façon on a rejeté depuis le début du mouvement, c'est-à-dire Alain Finkielkraut, c'est-à-dire les figures qui pourraient récupérer le mouvement, certaines figures même qui ne viennent pas sur place parce qu'elles sauraient qu'elles seraient rejetées tout de suite. Et avec raison, il y a avec raison cette méfiance. Donc nous, on fait partie intégrante du mouvement. Et il est clair aussi qu'on peut pas savoir qui fait partie de quoi et qui fait partie de qui fait partie du mouvement, qui fait pas partie du mouvement. C'est la faiblesse et la force du mouvement qu'on est en train de vivre, construire petit à petit. Alors je te remercie beaucoup Camille. Nous allons nous revoir parce que nous allons parler aussi de la méthode d'influence, de la méthode de création des mouvements sociaux à travers les réseaux sociaux, Internet. Et donc ça va être un sujet sur lequel on va se revoir, je crois, dans quelques jours, avec un chercheur espagnol qui a travaillé notamment sur les mouvements des indignés. Alors oui, alors ça fait partie des préoccupations de la commission tactique qui sont des préoccupations les plus approfondies. Il faut savoir qu'on a trois préoccupations, c'est l'occupation des lieux et la sécurité. Deux, l'objectif médiatique, comment contrôler notre image et essayer de mobiliser le plus de monde en ayant un vrai contrôle sur ça, le contrôle mais au niveau le plus possible. Et troisièmement, celui en fait de créer un groupe commun. Dans l'objectif des médias, le travail qui est fait, c'est un travail qui est en corrélation et qui fait partie bien de l'esprit de la philosophie, en corrélation avec des chercheurs espagnols qui se sont constitués en groupe de recherche à partir du mouvement du 15 mai en Espagne. Et qui, c'est un groupe complètement hétéroclite, c'est-à-dire qu'il y a des sociologues, des physiciens, des chercheurs en ingénierie de données, des informaticiens, des philosophes, des politologues. Et tout ça, ils ont rendu un travail qu'ils ont intitulé « Technopolitique ». La puissance des multitudes connectées, dans lesquelles ils étayent une corrélation, je veux dire factuelle, entre l'activité sur les réseaux sociaux et la mobilisation dans les rues, dans une forme de trois couches. D'accord. Trois couches. L'activité des réseaux sociaux, la rue et les médias. D'accord. Dans un système de rétroalimentation dans lequel l'activité sur les réseaux sociaux mobilise des gens sur la rue, les rues sont mobilisées par les réseaux sociaux, et à la fin, ça oblige les médias de masse à rompre avec leur agenda setting, avec leur formule d'ordre du jour au niveau médiatique, et les oblige à parler du mouvement. C'est ce travail-là qui a été fait. Super, ça va être super intéressant, j'ai hâte qu'on se revoie. Nous allons bientôt rendre l'antenne, donc merci beaucoup à tous. Les journalistes atterrés, j'en ai déjà parlé, mais on peut en reparler. Hein. Je vous rappelle l'adresse email, journaliste atterré au pluriel. Donc voilà. Vas-y Camille, ouais, on n'est pas à deux minutes près, on repousse la coupure pub. Camille, exprime-toi. Ah, non, juste un dernier truc, c'est qu'il va y avoir en fait une chaîne blanche qui est organisée par les gardiens de la paix, dans le week-end du 14 mai. Non, les gardiens de la paix, c'est une commission qui en travaille avec la commission tactique. D'accord. Et le but, c'est d'organiser une chaîne blanche dans le week-end du 14 mai entre République et Nation, pour éviter les débordements et que ce soit un acte symbolique justement qui remobilise en fait les gens. Super, merci beaucoup. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Donc le 14 mai, une chaîne blanche entre République et Nation, et nous allons nous quitter. Je suis vraiment heureux que ce soir, apparemment ça s'est super bien passé sur les réseaux, sur Internet. Et donc on se retrouve demain, enfin pas moi je ne serai pas là, mais mes collègues. Et je vous embrasse tous très fort. Je remercie aussi Louvre, Nymph, Claude, qui font les modérateurs sur YouTube. Merci énormément pour votre boulot. À très très bientôt.